Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ice Angel Coloriage. Aujourd'hui, je vais faire la présentation du livre 100 Beautiful Mandala de Camilla Angelkova. C'est le début d'une série que j'aimerais faire, des flips, présentation complète, flip dans le fond, de tous les livres de Camilla Angelkova. C'est une artiste que j'adore, ses images. Puis, j'aimerais ramasser toute sa collection complète. Fait que je vais commencer par les livres que j'ai, mais je vais essayer d'en acheter 2 à 3 livres de elle à tous les mois jusqu'à temps que j'ai toute la collection. Ça va être après étant des fêtes, bien sûr. Mais on va commencer avec lui. Puis si t'aimes ça, laissez savoir dans les commentaires en bas. Parce que moi, en tout cas, je le fais pour mon plaisir aussi parce que j'ai trouvé tellement magnifique ces images-là. Dans le fond, c'est le seul artiste que je cherche vraiment à acheter des mandalas par elle. C'est sûr, si je me fais donner des livres de mandala d'autres artistes, c'est des cadeaux, hein? Fait que on peut pas toujours choisir c'est par qui, mais je cherche ces livres spécifiquement pour les mandalas. J'aime ces images, j'ai ces livres de dragons, des miniatures. Elle est très variée dans ces choses, puis ils sont pas très dispendus, ces livres, mais ces choses, ces sujets, puis ils sont pas très dispendus. Je pense que le plus cher, c'est 10 $ canadiens, si je me trompe pas. Fait qu'on y va. Ça, c'est 100 Beautiful Mandala de Camilla Angelkova. Moi, je l'ai commencé le 25 décembre 2020. J'aime ça, là, il notait. C'est de quoi nouveau que j'ai commencé, parce que j'aimerais voir combien de temps ça prend. Donc, on y va. Il parle des features. Pas de duplicat. Pas de ligne épais. Pas de zone déjà remplie. Pas de place noire. Pas de grayscale. Pas de perforation. Puis pas d'ombrage gris. Et là, moi, mes mandalas, souvent, j'ai fait des couleurs au hasard, mais j'ai eu une idée pour en faire peut-être dans une prochaine livre que je vais commencer. Prendre des personnages des bandes dessinées, puis prendre des couleurs qui sont dans les personnages, juste pour mon plaisir, j'ai changé d'idée. Parce que j'en fais beaucoup de mandalas. Voilà. Généralement, je choisis 7 couleurs. 3 marqueurs puis 2 stylos gel. Non, 5 couleurs, excuse-moi. 3 marqueurs puis 2 stylos gel. Mais comme l'autre en avant, c'était un des marqueurs, ça varie. Mais généralement, mon pattern, c'est ça. 3 marqueurs, mes crayons feutres, excuse-moi, puis 2 stylos gel. Celle-là, je l'aime bien les couleurs que ça a sorti. C'était spécial. Pas des couleurs que j'y aurais mis ensemble, mais je trouve que ça fit bien. Comme lui aussi. Ça, c'est avec des marqueurs alcool, celle-là. S'ils sont des lignes plus épaisses, c'est avec ça que je l'ai fait. Je trouve que ça va bien. Tout au hasard. Puis, garde ça tout sorti comme faut. Parce que moi, mes crayons que j'ai choisis sont d'un coffre carré. Puis mes stylos gel sont d'un étui que je vais dedans sans regarder. Comme ça peut faire ça. Tu sais, on choisit pas ce que ça donne, hein. Mais je trouve ça drôle de voir ce que ça peut donner. C'était fait en mars, mais on dirait couleur sortie comme couleur de Noël, un petit peu. Ce livre-là, je le fais en ordre. Il y en a d'autres que je saute un petit peu partout, mais je pense à l'avenir, je vais toujours essayer de les faire en ordre. Je trouve ça plus évident à trouver place où ce que je suis rendu quand je pourrais pas faire. Ça spoil un petit peu mes images finies pour le mois de novembre, mais regarde, je suis dans un trip ces derniers jours de faire juste des mandalas. Je sais pas, c'est un passe qui m'a pogné dedans. Mon brun il commence à manquer, fait que c'est pour ça que c'est moins bien. Ça, c'est mon enco. Je me demandais pourquoi c'était pas fini. C'est ça là, je suis en train de faire.
Il y en a sur détaillé, il y en a sur moins détaillé dans ce livre-là. Mais il y a une chose en commun, elles sont toutes magnifiques. Le seul livre d'elle que j'ai fini, c'est les Nighttime Mandala à date. Mais c'est moi le seul livre de fini. J'espère qu'elle va sortir un deuxième livre comme ça. J'adorais les mandalas sur le fond noir. J'aimerais en faire d'autres. En effet, j'aime tout court des images sur des fonds noirs. Excuse-moi, on va l'ouvrir un petit peu mieux. Quand je te dis, j'ai fait en ordre, faut qu'il n'a jamais été ouvert comme il faut. Fait que c'est plus dur. Je ne l'ai pas cassé le relieur encore. On va voir si tu venir focus. Merci. Les autofocus, des fois, les caméras, là. Mais avant, j'en avais pas dans mon premier vidéo. Fait que je suis content pour la caméra que ma Marie m'a gentiment offert pour continuer à faire mes vidéos. Et, oh, il y va. Excuse-moi. Ah, il est beau, lui. Ça va être fun à faire. Faut juste faire attention pour tromper quand on fait des lignes. Wow. Je suis pas fou des mandalas géométriques, mais celle-là, je le déteste pas, je la trouve pas pire. Au début, quand j'ai commencé à colorier, je pensais pas, j'aurais aimé ça des mandalas. Puis, fin compte, c'est une des affaires que j'aime beaucoup à faire. Je trouve ça très relaxant. Généralement, je fais ça entre des gros colos. Puis là, maintenant, j'ai mes marque-pages aussi que je fais, mais je reviens toujours des mandalas. Puis, généralement, j'en fais deux, trois la shot, une après l'autre. Vous avez un coup commencé, j'aime ça continuer. Je trouve ça vraiment, vraiment fun à faire. Oh, wow! Elle est belle, celle-là. Aussi. Elles sont toutes belles, mais il y en a que des fois tu les vois et puis ça te frappe d'aplomb. La façon qu'elle est faite. Je pense que j'ai sauté une page en verrier. Non, je suis pas sûre. On va continuer. J'espère que je ne vais pas trop vite. Si jamais ça va trop vite pour vous, tu as juste à me peser sur pause puis regarder ou ralentir la vidéo. Mais j'essaie de donner assez de temps qu'on ait le temps de regarder les mandalas. J'aime ça avec les cœurs comme ça, c'est beau. On dirait des flammes autour. C'est vraiment belle. C'est un beau livre, ça. Vraiment un beau livre. Tes oreilles de chat, on dirait. C'est vraiment un bel livre. Je sais pas si
si tu aimes ça, faire ça. Mais si jamais il y en a qui a ce livre-là, puis il aimerait faire des duos, je suis toujours partant. J'en fais des duos pas mal tous les mois avec mes colocopines. Puis, tu sais, je détesterais pas faire des mandalas aussi en duo. Ça serait le fun. Ben, dans n'importe quel de mes livres, en fait, si tu veux faire des duos, tu as juste à m'écrire. Je pense que j'ai mis le lien vers mon Instagram en dessous. Sinon, mon email est là aussi, supposé. Fait que, gênez-vous pas. Ça me ferait plaisir. J'ai assez de latiné un plat, il veut fermer vu que j'approche la fin. Il y en a beaucoup de belles mandalas dans ce livre-là. C'est de quoi garder occupé maintenant. Quand même les mandalas pour que tu puisses les voir comme il faut. Hein? Wow! Elle est vraiment belle celle-là, je l'aime beaucoup. Et loin de livre, je pourrais prêt à le faire. Et voilà, ça c'est la fin du livre. Il monte des... Des livres sans mandala animal, des mandalas pour débutants, toutes sortes de livres qu'elle a. Et voilà, ça c'est la fin. Ah oui, j'ai oublié de mentionner, c'est sur du papier Amazon, mais garde, ça me dérange pas pantoute. Merci d'avoir écouté ça avec moi. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker ou abonner à ma chaîne si t'aimes ça. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Bye bye!